Christine Bravo, Sophie Garel et Jérémy Michalak. Il y a un véritable esprit de camaraderie dans cette équipe, il faut le dire, parce que juste pendant le générique, je voyais Sophie vous donner des leçons de maintien, Christine. Oui. C'est grâce toujours à elle. Toujours la manche à balai bien placée. C'est très important. D'abord, ça apporte beaucoup de plaisir. Et ensuite, ça donne un certain maintien, une certaine allure de ballerine. Je crois qu'il est temps de passer à la photo du jour. Et cette photo, c'est celle de Ségolène Royal à la une du Parisien ce matin. Elle nous ouvre les portes de son quartier général de campagne. C'est boulevard Saint-Germain à Paris. Et le journal nous montre le plan détaillé du QG de campagne qui s'étend sur 380 mètres carrés avec le bureau de Ségolène qu'on peut voir sur le plan, le bureau de presse, la cellule logistique, la cellule réflexion, la cellule matière grise, manque plus que la cellule de José Bové sur ce plan, et puis il y a aussi des bureaux au nom énigmatique, la Ségosphère, la NetSquad, et une toute petite loge où on peut retrouver François Hollande au rez-de-chaussée, suffit de toquer, il y a écrit gardien. Il monte le courrier de temps en temps, il fait les escaliers aussi. Car si on traverse la cour, au fond de la cour, il y a les bureaux de Laurent Fabius, de Dominique Strauss-Kahn et même celui de Lionel Jospin. C'est écrit local à poubelle. Vous trouverez... C'est dingue qu'on donne le détail à ce point, non? Vous avez bien fait de parler de José Bové parce qu'au départ, il voulait publier les photos du QG de José Bové. Ah oui, oui, bah nous, on les a eues, ça donne ça. Tout de suite, c'est beaucoup moins d'amour. Dimanche... C'est le grand jour pour l'équipe de Ségolène Royal, puisqu'à Villepinte, elle va faire la synthèse, la fameuse synthèse des 135 000 contributions déposées par les 60 000 auteurs. Le discours a été minuté, devrait faire 72 heures, donc. Et c'est vrai qu'on l'attend, ce discours. Pierre Bénichou, vous regarderez à la télévision? Bien sûr, comme tous les Français, oui. Vous voulez enfin avoir le programme? Mais oui, tout le monde est anxieux, puisqu'on a tellement dit qu'elle n'avait pas de programme, on va voir. Qu'elle en a un et s'il est bon. Alors on passe à une autre affaire, une affaire encore de scooter volé, puisque ce matin encore le Parisien nous révèle que le fils de François Hollande et Ségolène Royal, Thomas Hollande, s'était lui aussi fait piquer son scooter en 2003. À croire qu'il y a un gang de voleurs de scooters de fils des politiques. Paraît même que Claude Chirac, elle aussi s'était fait piquer son scooter à une époque, elle l'a jamais retrouvé, mais en souvenir, Bernadette a gardé le casque. Au fond, il n'y en a qu'un qui n'aura jamais d'emmerde avec son deux roues, c'est le fils de Besancenot, parce que personne ne voudra du vélo de facteur. Hein. Moi, je me souviens en tout cas que quand le fils du général de Gaulle s'était fait voler son bateau, on n'avait pas fait tout ça. Hein. Non, franchement... Franchement, c'est quand même curieux de ressortir cette affaire qui date de 2003. Et en revanche, ce qui est intéressant dans l'article, parce que ça va mettre tout le monde d'accord, et les sarkozistes et les socialistes, c'est que les policiers qui témoignent disent « Mais écoutez, on fait ça pour toutes les personnalités, qu'elles soient politiques ou pas. » Hélas, c'est triste, c'est la justice à deux vitesses. C'est-à-dire que dès qu'il y a effectivement un chanteur, un comédien, un artiste, un animateur télé ou n'importe qui vient déposer plainte, évidemment, les policiers, sans qu'on leur demande, mettent un peu plus de zèle à essayer de retrouver les auteurs qu'hélas, pour n'importe quel quidam. C'est triste à dire, mais c'est un vrai témoignage et un témoignage juste qu'il y a dans le Parisien là-dessus. L'affaire, franchement, ce serait bien que la campagne électorale vole un peu au-dessus du niveau des scooters, quand même. Par exemple... Valérie. Bah oui, par exemple, moi, l'autre fois, je me suis fait voler ma voiture. J'étais au commissariat, ils me l'ont retrouvée très vite. Hein. C'est Elle vrai? Était à la Préfourrière. Vous n'avez même pas eu le droit à une alerte enlèvement qui... Non. Bah, c'est-à-dire, c'était le 1er janvier, figurez-vous. Oh. C'est quand même des cons. 1er janvier. Un point maintenant, 9 jours après l'entrée en vigueur du décret interdisant le tabac, puisque encore le journal Le Parisien faisait un bilan ce matin. Et déjà, les sanctions tombent pour les fumeurs, pour ceux qui ne respectent pas la loi. En effet, cette semaine, un fumeur de pipe s'est pris quand même 4 mois ferme. Il paraît qu'il y a même un SDF qui fumait en faisant la manche et qui a reçu une amende de 68 euros. La police considérait qu'il fumait sur son lieu de travail.
Non, ce qui est rigolo, c'est qu'avant, les jeunes avaient de l'ambition. Ils disaient, on veut devenir soit travailler dans un bureau, être patron, diriger une entreprise. Mais maintenant qu'on n'a plus le droit de fumer dans les bureaux, bilan, bah, tous les jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Coursier. Pierre. Mais ça se passe plutôt bien. Hein. Ouais. Mais oui, parce que moi, je sais que je ne fume plus. Alors que je fumais avant. Donc, il y a une chose terrible qui fait augurer de la bêtise des Français, dont je suis, c'est qu'on a plus peur du gendarme que du cancer. Allez, on termine avec une étude passionnante menée par un grand fabricant d'aspirateurs. Ça va vous intéresser, mesdames. Une étude faite auprès de 3000 foyers. Mesdames. Et cette étude révèle, là, vous allez comprendre pourquoi, que les femmes passent 2 jours complets par an, si on fait le total, 5 mois entiers dans leur vie à aspirer la maison, tandis que les hommes n'y consacrent qu'une demi-journée. L'enquête nous apprend ensuite qu'en distance parcourue, ça c'est assez rigolo, sur la base d'un mètre par seconde. Regardez, une femme va de Londres à New York avec son aspirateur, alors que l'homme ne va que d'Écosse en Cornouailles. Oh, mais alors, si les femmes passent par la mer, forcément, c'est plus long. Parce qu'en plus d'aspirer, il faut ramer avec l'aspirateur, c'est pas pratique. Et puis New York-Londres en aspirateur, putain, déjà que salon, salle à manger, c'est chiant. Mais New York-Londres, franchement, faut le faire. Là où les hommes sont plus forts, c'est si on met bout à bout toutes les miettes qu'ils ont fait dans leur vie, là, tu fais Paris-la-Lune 4 fois. Jérémy, allez, Jérémy. Je devais partir en... Merci, Jérémy. Pardon, non, je vais partir en vacances à New York avec ma femme. Moi, je vais prendre un billet d'avion et elle, je vais lui prendre un aspirateur. Puisqu'on va de Paris à New York en aspirateur. C'est la sorcière bien-aimée, version moderne. Oui. C'est exactement ça, Pierre. Moi, pour la Saint-Valentin, ma chérie, je lui offre ça, un Paris-Miami. Votre compagnon passe l'aspirateur, j'imagine, Valérie. Ah, elle en a plus. Mais elle en a plus. Parce qu'elle en a plus. Oui, mais elle a de nouveaux aspirants. Non, mais vous... Vous vous imaginez peut-être que je prends un gars pour l'aspirateur. Ça va pas, non. Ça dépend du tuyau. Aspirateur. Christine, vous passez vous-même l'aspirateur? Non, je... Oui, ça m'arrive. Mais je trouve que ça c'est... Ça vous arrive, je suis déjà venu souvent. Chez vous, ça vous arrive pas souvent. Tu ressors, t'es perdu pendant 48 heures. Mais non, mais j'ai un balai aussi, j'ai pas qu'un... Ah, mais non, tu te l'es mis dans le... Nous allons tout de suite accueillir Madame Catherine Hermard-Rivière, une écrivaine et brillante femme de lettres, donc aussi célèbre pour ses biographies que ses romans. On lui doit entre autres Le Grand Vizir de la Nuit, prix Femina en 81, L'Infidèle ou Un Amour Fou. La semaine dernière, Catherine Hermard-Rivière a publié Le Gardien du Phare, son nouveau roman paru chez Albin Michel. L'histoire de 3 femmes naufragées sur une île canadienne. Sophie a évidemment lu pour nous ce livre, Christine aussi, elles vont nous en parler l'une et l'autre. Mais avant, accueillons donc sur notre plateau Catherine Hermard-Rivière. Bonjour. J'ai toujours eu du mal avec votre nom. C'est un peu compliqué. Ça fait des années que je vous entends, que je vous lis parfois, et je n'ai jamais su dire si c'était Catherine Hermarie Vielle ou Vieille. 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 Comme le féminin de vieux. Ah ben oui, il y en a qui s'appellent bien le jeune et qui ont 80 ans. Ça vous va si mal. Ça m'ira un jour très bien. Faut dire que vous en avez écrit, hein, des bouquins quand même. Écoutez, quasiment un par an, quasiment. 22, quelque chose comme ça. Un par an, quasiment, oui. Franchement, non? Oui. Oui, un par an. Ça veut dire que dès que vous en avez fini un, vous commencez un autre? Pratiquement. Ah, pratiquement. Oui. Alors, arrêtons-nous sur celui-ci, Le Gardien du Phare, un roman qu'a lu pour nous Sophie Garel. Alors, j'ai une grande responsabilité parce que je n'ai lu encore aucune critique sur ce livre qui vient de sortir. Et je me dis que c'est important ce que je vais dire. J'attends de me faire plaisir de temps en temps. Alors, c'est l'histoire de 3 femmes qui vivent dans une île canadienne, l'île qui s'appelle l'île aux chiens. Attends, tu parleras après. L'île aux chiens. Et ces 3 jeunes femmes qui s'emmerdent vraiment, qui ont comme univers que les pêcheurs, les poissons, et qui ont leur bagage. Elles partent sur une petite embarcation et elles échouent sur une île encore, alors là, mais cette fois totalement désertique. Une autre île. Cette île, c'est un îlot, n'a qu'un phare lumineux pour éclairer leur vie et éclairer peut-être leurs espoirs. Ces 3 filles sont totalement différentes. Bref,
Elles sont toutes les trois, elles n'ont rien à se dire. Elles sont toutes les trois sur cette île. Vont-elles survivre? Elles attendent cette lumière. Est-ce qu'elles vont mourir ou est-ce qu'elles vont vivre? Est-ce qu'on va leur porter secours? C'est un livre qui est écrit à deux vitesses. Il y a le roman avec un suspense. Est-ce qu'elles vont survivre? Elles en profitent pour laver leur linge sale, pour raconter leurs drames, leurs désillusions, la vie, la mort. Ce livre est écrit avec une subtilité, avec une profondeur. On fouille les âmes, on les triture. C'est tout ce que j'aime. Les gens qui ne sont pas posés ces questions de leur vie, c'est qu'ils ont fait que passer à côté de la vie. Et vous m'avez pas parlé de la deuxième vitesse, mais il y a une première vitesse. Oui, je veux pas en parler de cette deuxième vitesse. Il y a un mystère. Parce que pendant tout le bouquin, enfin pendant les trois quarts du bouquin, on se dit elles vont être sauvées, elles vont pas être sauvées, ils vont faire des recherches, le gardien de phare va arriver, il va en sauter une, il va les ramener. Enfin bon, on se fait des petites idées, on se fait son petit roman. Et à un moment donné, on s'aperçoit qu'on est à côté de la plaque totalement. Il va se passer autre chose. Et il va se passer quelque chose de totalement bouleversant. C'est un livre passionnant, intelligent, profond. Moi, je vous remercie et je souhaite vraiment longue vie à ce livre. Et vraiment, c'est un livre qui m'a apporté. Je le relisais par moments tellement il me concernait. Ben voilà au moins un auteur qui va repartir content. Ça vous va, le résumé qu'a fait Sophie? Je ne parle pas de son goût et des qualités qu'elle a trouvées au roman, mais du résumé de l'histoire. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non, c'est tout à fait parfait. C'est l'histoire, effectivement, de trois naufragés, dans le sens du terme, le sens réel et le sens au second du terme, et qui sont rejetés, quelque part qui sont des femmes de l'ombre, et qui vont sur cette île comprendre que le mystère qui les a amenés, l'énigme qui les a amenés sur cette île, a une signification, et qu'en fait, elles vont pouvoir sortir de leur coquille pour atteindre une réalité, une lumière, donc la lumière du gardien du phare, qui va définitivement donner un sens à leur vie. Et je ne dis pas plus, mais bon, voilà. Alors, surtout, ne lisez pas la fin. Ne commencez pas par la fin. Alors, méfiez-vous, parce que ça peut encore se gâter, vu que Christine Bravo n'a encore rien dit, et elle a lu aussi votre livre. Alors, d'abord, je tiens à dire que c'est un livre pour les Bretons. C'est un livre où il y a... Bretonne d'Algérie, ça m'a plu, hein. C'est la crêpe de Sarrasin. Même si ça ne se passe pas en Bretagne, il y a du brouillard, de la pluie fine, des bourrasques, des marins qui pleurent, on mange de la soupe et du flétan aux oignons. Tout ce livre, c'est un livre de matière. C'est-à-dire, c'est une femme qui a tissé de la matière. Et je veux juste parler d'un poème de Victor Hugo qui me bouleverse, que j'adore, qui s'appelle « Les pauvres gens ». Je ne sais pas si vous le connaissez, qui commence. Il est nuit, la cabane est pauvre, mais bien close. Le logis est plein d'ombre et l'on sent quelque chose qui rayonne à travers ce crépuscule obscur. C'est un merveilleux poème d'Hugo. Ça finit par « Tiens, dit-elle, en ouvrant les rideaux, les voici ». Voilà, ça finit comme ça, bravo. Et c'est un poème très, très, très long qui raconte la vie des marins et l'âpreté de cette vie. Et ce livre, écoutez, vous avez pensé à ça. Il y a du Hugo chez cette dame. Voilà, c'est formidable. Finalement, cette Christine Bravo, elle ferait mieux de parler que de livres. C'est là où elle est la meilleure. Où elle est la meilleure. Quand elle parle d'autre chose, de ses petits problèmes, ses machins. C'est un bouquin vivant, cette femme. Je dirais que toute cette âpreté de la vie, ce crachin, cet îlot battu par les vents, c'est très symbolique aussi, parce que c'est un peu le symbole de notre vie. Je vous remercie, non? Moi, j'ouvre les rideaux, j'ai du soleil, j'entends chanter les cigales dans ma vie. Et t'as pas le moral. Et t'es déprimé. Faut arrêter le Prozac. Hein. Valérie, est-ce que Sophie et Christine vous ont donné envie de lire le dernier vous voyez que j'ai du mal. Le livre de la vieille, là. C'était très breton, le livre de la vieille. Mais évidemment, ce n'était pas en rapport avec l'âge, c'était en rapport avec le nom de madame, évidemment. Oui, cela dit, c'est vrai, moi, si je rencontre un mec qui s'appelle vieille, je ne l'épouse pas. Hein. Vous n'avez pas envie qu'on vous appelle madame vieille? Trop tard, il est pris. Alors? Non, à propos du livre, autant Sophie m'a donné envie de le lire, et en une page, la Christine, je me suis fait chier. Elle devrait aller sur une île déserte toutes les deux, je crois. Pierre, vous imaginez que vous pourriez vivre, par exemple, sur une île déserte avec Paul Vermus? Oui, oui, j'aimerais. Le voici. Bonjour Paul. Et
Pierre est d'accord pour partir avec vous sur une île. Je le suis un peu moins, hein. C'est vrai. Oui. Vous connaissiez Madame Catherine Hermard-Rivière? J'ai failli 20 fois aller chez elle en Virginie, aux États-Unis. C'est une bonne amie. À chaque fois qu'elle vient à Paris, nous dînons ensemble. On est assez liés, vous voyez. C'est pas vrai. Et j'ai d'autres amis que vous, Laurent. Je connais aussi un peu de monde. Il faut... Ça m'arrange, ça vous libère. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas content? Si vous n'êtes pas content, vous pouvez quitter les lieux. J'ai hein. fait ah. Bah c'est pas la peine, hein, c'est pas la peine. Alors si vous voulez, on commence. Il y en a la première lettre de l'alphabet. Elle commence la lecture. Elle passera à B la semaine prochaine. Paul. Alors bon, on va commencer si vous voulez par Jacques Chirac. Il va profiter du congrès qui aura lieu à Versailles, comme tous les congrès, pour annoncer qu'il ne se présente pas. Tout le monde le sait. Je crois savoir enfin ce qu'il va faire après. Alors allez-y. Vous savez qu'il avait demandé la création d'une ONU de l'environnement. Oui. Il y a 46 pays qui ont donné leur accord. Eh bien, cette ONU de l'environnement va avoir lieu. Ça sera à Paris, et très probablement en 2008, et très probablement que le premier secrétaire général de l'ONU environnement, c'est notre président. C'est bien qu'il s'occupe de l'environnement après qu'il soit président. Voilà. Mais, non, non, mais je vous donne pendant, ça aurait été pas plus mal. Non, mais vous, franchement, reconnaissez que c'est une bonne idée. Et Nicolas Sarkozy, alors? Alors, alors, il se passe une chose très intéressante avec Nicolas Sarkozy, c'est l'ouverture à gauche toute. Alors, il y a un mouvement qui est une association un peu secrète qui s'appelle la Diagonale. Vous ne connaissiez pas? Non. Ah tiens, une chose que vous ne connaissez pas, ça fait plaisir, la votre Diagonale. Ignorance. Oui, alors, J'attends. Oui, mais attendez, à la Diagonale viennent des intellos, des gens de réflexion de gauche. Ils sont en train d'attirer du monde. Alors, le premier qu'ils ont attiré à la Diagonale, c'est Richard Decoing. Vous ne le connaissez pas, c'est le patron de Sciences Po, c'est un ancien conseiller de Jacques Lang. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, et ils vont probablement rejoindre Sarkozy, c'est l'ancienne Sherpa de Mitterrand, Anne Levergeon, et c'est Jean-Marie Bockel qui est le maire de Mulhouse, qui sont des gens depuis toujours à gauche et qui sont en train de rejoindre Sarko. Donc ça, c'est très très nouveau. Hein. Et si vous voulez d'autres informations politiques, vous en voulez d'autres? Oui. J'entends pas. Oui. Oui. Non, dites, on n'est pas à Guignol ici. Non, je vous laisse. Mais j'aime bien, j'ai mes aises ici. Eh bien, allez-y, Niafron. Il y a une petite info internationale ou pas? Hillary Clinton. Hillary Clinton, donc, qui vient d'être élue brillamment sénateur de New York et qui est candidate officielle démocrate à la Maison Blanche. Vous l'avez lu quelque part? Vous l'avez entendu quelque part? C'est moi qui vous le donne. Voilà. Bon. Alors, il y a d'autres choses sur elle. Quand elle donne une interview, que ça soit... Il y a parfois un peu Bill aussi sur elle, je veux dire. Oui, oui, bon, oui. Bon, à mon avis, plus beaucoup. Hein. Bon, quand on donne une interview, quand Hillary donne une interview chez elle... D'ailleurs, à la fin du repas, quand elle dit « The Bill, please », c'est son mari qui arrive. C'est ce qu'on appelle une bonne transition. Oui. Parce que c'est la première fois que vous arrivez à faire une plaisanterie en anglais. Non, mais ça c'est un comble. A gag man is born. Alors donc, quand elle donne une interview, que ce soit de sa maison à côté de New York, que ce soit de son bureau, etc., il y a toujours, vous remarquerez, Catherine, en arrière-plan, je parle à Catherine parce que c'est une amie personnelle, sûr, ça vous dérange pas. Hein. On l'a vu déjà, là. Hein. Oui, oui, ça suffit. Vous avez couché combien de fois ensemble, alors? Pardon, j'ai pas bien saisi le sens de votre question. Hillary et Paul? Non, vous, Paul et vous. Ah, non, mais genre, vous avez perdu la tête, vous êtes... Non, mais que... Pourquoi vous pensez que c'est mon genre? Ah ben oui. C'est sympa. Non, mais c'est une atteinte à la vie privée, là. Non, je suis plutôt surpris que vous soyez son genre. Mais enfin, c'est mon genre, bien sûr. Mais bah, t'es pas au mot, toi. Disons que l'occasion. Bon, ça, ça va pas. Mais... Alors, écoute. Bon, je te rencontre dans mon quartier, toujours avec un mec. Bon, enfin. Tu veuilles pas le dire, je le comprends. Mais non, non, tu as le droit d'être une folle du placard, mais... Ne fais pas semblant. C'est même pas une atteinte à la vie privée. C'est même pas une calomnie. C'est du mensonge. Et si tu veux que je m'occupe de ma vie privée, je t'en occupais, mais ne racontez pas n'importe quoi. Elle a perdu la tête. Elle est folle. Mais non, tu dis n'importe quoi. Le type avec qui on le voit, c'est son gendre. On en revient. Soyez gentils. Enfin, je connais très bien l'épouse. Enfin. Je connais très bien l'épouse de Paul Vermus, Robert, qui est très sympathique. Non mais ça va. Ça suffit, ça suffit, Laurent. N'aie pas honte. Mais, non mais c'est pas vrai. Enfin regardez, je le vis très bien, moi. Écoutez, je suis là pour apporter des informations.
Les enfants sont au courant maintenant, c'est pas grave. Au secours, toutes les femmes que j'ai pu séduire dans ma vie, le comprendront. Allez, arrêtez. Je sais que depuis longtemps, vous me désirez, Catherine, je suis pas libre pour l'instant. C'est Christine. Bon, on en était où? Alors, on en était à... Bon, bah, il a suffisamment ri comme ça, on va passer à Charles Napoléon. Vous nous avez, on va reprendre les choses comme il faut, vous nous avez quand même dévoilé, il faut le dire, il y a 15 jours de ça, le gouvernement Sarkozy, oui. Si Sarkozy était élu à l'Élysée. Vous nous avez dévoilé le gouvernement Ségolène Royal, si c'est Ségolène Royal qui est présidente. Et puis, il y a ce qu'on appelle... faussement d'ailleurs le troisième homme, puisque ce n'est que le deuxième homme, vu que c'est une femme qui fait partie des deux premiers pour l'instant, François Bayrou. Alors, si Bayrou était président de la République, quel serait son gouvernement? Ça, c'est un bon exposé. Alors déjà, je vous dis tout de suite, il y a trois bannis, trois exclus, ils sont à l'index définitivement. Christian Blanc, André Santini et Gilles de Robien. Ben oui. Ils ont rejoint Sarko, voilà. On n'en parle plus, on les enlève. Maintenant, qui sera à Matignon? Qui peut être à Matignon? Premier ministre de Bayrou. Eh bien... une possibilité, Louis Schweitzer, l'ancien patron de Renault, qui est un haut commis de l'État. On parle aussi de Bernard Debré, hein, le professeur, hein, le qui est le frère de Jean-Louis. Et on parle de celui qui fut un temps le médiateur de la République, Bernard Stasi. Tous ceux-là sont des UDF ou des apparentés UDF. Alors, ce qui est beaucoup plus amusant, pour la défense, le général Morillon. Pour les affaires étrangères, figurez-vous qu'on parle de Bernard Kouchner. Là, c'est un petit... Bon, l'éducation nationale, c'est son bras droit, Marielle de Sarnez. Ouais. Hein, elle est toujours là, elle a toujours été à sa côté. Qu'est-ce que vous voulez dire par « elle a toujours été à ses côtés » Écoutez, non mais franchement, incroyable, là, vous mettez dans une position difficile. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne veux pas vous parler de la vie de Marielle de Sarnez et de François Bayrou. Ils sont très proches, professionnellement parlant. Bien sûr. C'est ça que vous vouliez entendre. Je voulais que vous soyez précis là-dessus. Voilà, ben, je suis très précis. Ils ne quittent pas. Ils sont... Voilà, vous savez tout. Arrêtez de rire, écoutez ce qu'on dit, vous. Vraiment, et puis rasez-vous quand vous venez chez Ruquier, je sais pas. T'es méchant, tu commences à avoir la cote, avec. Parce qu'en plus, tu les préfères un berbe. Non, mais... Non, non, mais c'est... Sharon Stone. Alors Sharon Stone, elle a été nominée 7 fois aux fameuses Framboises d'Or. Les Framboises d'Or, c'est une manifestation parodique qui a lieu la veille des Oscars à Hollywood. Elle a été nominée 7 fois. D'une part, elle a été nominée plus mauvaise actrice de l'année avec le film, la suite de ce film Sans intérêt qui est sorti l'année dernière et qui a fait quelques entrées. Basic Instinct numéro 2, c'est bien. Elle a été nominée comme étant, alors là je comprends pas, comme étant la femme la plus mal habillée, je dirais peut-être la plus déshabillée, mais pas la plus mal habillée. Et c'est elle qui utilise le plus grand nombre de mots vulgaires quand elle... Ce qui est aussi étonnant. Donc, elle a été nominée cette fois aux Framboises d'Or. Des mots vulgaires, c'est des mots grossiers. C'est pas parce qu'elle est belle qu'elle peut pas dire merde. Elle dit ce qu'elle veut. De toute façon, pour l'instant, je parle pour ne rien dire, puisque les Framboises d'Or, c'est la veille des Oscars. Donc, on a encore quelques semaines devant nous. Alors, on va donc s'arrêter là. Merci, Paul Vermus. Il n'a pas changé, votre ami. Le gardien du phare, c'est le dernier roman de Catherine Hermary Vieille. C'est chez Albin Michel. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Hier et avant-hier s'est déroulé le procès des caricatures engagées par la Grande Mosquée de Paris et l'Union des organisations islamiques de France contre l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo pour avoir effectivement, vous le savez, publié des caricatures de Mahomet en février 2006. Beaucoup de personnalités ont été appelées à la barre comme témoins, parmi lesquels Elisabeth Bindater ou même François Hollande. Nicolas Sarkozy, vous le savez, a lui aussi exprimé son soutien au journal satirique à l'aide d'un courrier adressé au directeur de la publication, Philippe Valle. Et l'invité qui va nous rejoindre est lui, chargé de mission auprès du Conseil français du culte musulman. Il regrette, en finale, la politisation du débat et dénonce l'attitude de M. Sarkozy, tenu, selon lui, à un devoir de neutralité de sa part, puisqu'il est, outre ministre de l'Intérieur, ministre chargé du culte aussi. Pour parler de tout ça, voici M. Abdallah Zekri. Bonsoir. Vous êtes chargé de mission auprès de M. Boubacar, président du Conseil français du culte musulman. Lequel culte musulman risque d'être dissous, d'après ce que j'ai cru comprendre? Non, il ne risque pas d'être dissous. Disons que la surprise, le jour de l'ouverture du procès, tout d'un coup, on entend Maître Kejman lire un courrier. Avant même de nous dire de qui il était, on avait compris que c'était de Nicolas Sarkozy. Il va de soi que j'ai été présent, je représentais le docteur Dalil Boubacar.
j'ai effectivement, c'est vrai que j'ai une réaction brutale, en ce sens où c'était signé par un candidat aux élections de l'UMP, mais que pour moi, M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, ministre d'État chargé des cultes, et à ce titre, il se devait un droit de réserve de neutralité. Il a créé le Conseil français du culte, le CFCM. Ça, on peut lui en être reconnaissant. Mais il n'était pas le seul. Ça commençait déjà par Chevènement, et puis lui, il a continué le dossier. Mais il l'a fait. Il l'a fait. Il a eu le courage de bousculer les choses. Il l'a fait. Mais je vais vous dire également pourquoi. À la suite de cela, on a été surpris, étonné. Pourquoi? Parce que le 1er février 2007, M. Nicolas Sarkozy nous a reçus à la place Beauvau, les musulmans, et pour nous dire que la France n'est pas un pays islamophobe, mais l'islamophobie existait. Et quand, par conséquent, il fallait la combattre. Donc nous avons dit OK, et nous avons considéré que c'était une trahison de sa part. La lettre au procès, vous dites. La lettre au procès, c'était une trahison de sa part, parce qu'il n'a pas respecté la neutralité. Et la lettre a été irrecevable, le soutien a été irrecevable, dans la mesure où un ministre, pour témoigner, il lui faut l'accord du Conseil des ministres, chose qui n'a pas été faite. Ceci dit, il y a eu également d'autres hommes politiques qui sont intervenus. Monsieur Bayrou et Monsieur Hollande. Vous, votre but, c'est de défendre l'islam tolérant. Et ce que vous regrettez, c'est que ces caricatures-là puissent avoir choqué l'ensemble des musulmans français, entre autres, mais l'ensemble des musulmans. Alors qu'effectivement, on comprend aussi les dessinateurs, en tout cas moi je les comprends, eux disent, ben, nous, ce qu'on voulait atteindre évidemment à travers ces caricatures-là, c'était les musulmans intégristes qui n'étaient pas un bon exemple pour l'ensemble de l'islam. Alors moi j'ai envie de vous dire, je comprends, j'essaie de résumer, je vais vous poser une question, vous allez pouvoir me répondre, j'essaie de résumer tout ça, je me dis, ben, oui, on peut comprendre les deux, et je me dis, puisque les deux finalement ont leur raison, est-ce que vous ne pouviez pas essayer de vous entendre sans que vous ayez besoin de passer par un procès? Parce que là, en faisant un procès, j'ai l'impression que vous tombez justement dans un extrémisme. Non, je ne pense pas. Parce qu'au Danemark, quand les caricatures ont eu lieu au Danemark, il y a eu des excuses. L'ambassadeur du Danemark est venu à la mosquée de Paris, il a été reçu par Delil Boubaker. Combien de temps après, monsieur? Parce que justement, ce qui me gêne dans tout ça, c'est que ces caricatures ont paru au Danemark et qu'il a fallu 2 ou 3 mois pour que des pays arabes lancent une sorte de fatwa contre le Danemark et contre, contre les auteurs de ces dessins, et ça avait tout à fait l'air, non pas d'une réaction spontanée de croyants qui avaient été offensés, mais d'une sorte de réaction politique et d'un coup monté. Alors, est-ce que vous pouvez me répondre à ça? Je vais vous répondre à ça. Quand ça s'est passé au Danemark, on n'a pas réagi parce que ça ne nous intéressait pas. Et les gens qui ont lancé des fétois, ils n'ont pas lancé des fétois. Je vous dis, je suis contre les terroristes. Je suis contre ceux qui lancent des fétois. Je suis contre ceux qui utilisent l'islam à des fins politiques. Mais ce qui nous a choqués, c'est que Charlie Hebdo, le journal, quand il a vu toute cette manifestation des musulmans, je pense, il a voulu essayer de tester la réaction des musulmans de France. Nous, nous n'avons pas porté plainte contre toutes les caricatures. On a porté plainte sur 2, et une qui prêtait à confusion. La première, c'est dire, concernant le prophète, c'est dur d'être aimé par des cons. Nous sommes des cons et je suis un con, excusez-moi l'expression. Non, c'est parce que ça veut dire. Non, mais attendez, non, mais, moi je lis comme ça. Il aurait dit, c'est dur d'être aimé par des terroristes et des intégristes. Je l'aurais dit, d'accord. Mais c'est pas drôle. Non, non, pardon. C'est pas drôle dans ces cas-là. Ça rentre pas dans la bulle. Non, non, non. Mais déjà, quand on insulte les islamistes, les terroristes, je suis entièrement d'accord. Voilà, les condamnés. Mais qui nous mettent tous dans le même sac. Qui met également la religion musulmane qui fait l'amalgame entre islam et terrorisme. Je ne suis pas d'accord, je regrette. Et quand on fait des caricatures, comme fait Charlie Hebdo souvent, du pape et du Christ et de la Vierge Marie. Oui. C'est sans arrêt, c'est une tradition française. Pourquoi est-ce qu'on pourrait le faire? Ce pays qui accepte tout contre sa religion majoritaire, devrait-il, quand il s'agit des musulmans, se mettre au garde-à-vous? Je crois que vous n'avez pas compris, M. Bénichoux. C'est pas se mettre au garde-à-vous. Qu'il fasse des caricatures sur le prophète, oui, mais qu'il ne fasse pas l'amalgame entre islam et terrorisme. La chose que politiquement je ne comprends pas, c'est que le CFCM, c'est quand même une création de Sarkozy. Oui, je suis d'accord. Vous êtes donc avec Sarkozy qui a eu du mal à imposer cette sorte de consistoire musulman en France. Il a eu beaucoup d'opposition. Vous êtes très lié, Boubacar, en tout cas. Quand vous avez porté plainte, Sarkozy l'a su. Qu'est-ce qu'il vous a dit à ce moment-là? Il n'a rien dit. Il ne vous a pas dit qu'il ne fallait pas porter plainte? Justement, vous venez de dire quelque chose de très intéressant. Je vois souvent votre émission, ne me dites pas enfin. Oui. Vous dites que Sarkozy, il est très lié à Adèle Boubaker. Oui. Je pense que M. Sarkozy aurait pu, par correction, nous dire qu'il allait prendre la mesure qu'il avait prise, au moins. Parce que je vais vous faire une confidence. Quand j'ai lu, parce que j'étais au tribunal, quand j'ai vu la lettre, et j'ai pris une copie et je l'ai lu à Boubaker, les proches de Sarkozy au ministère de l'Intérieur
n'était pas au courant de la lettre. Il ne le savait même pas. Il sentait peu dénu en nous disant arrêtez, c'est une blague. C'est vrai que ce qui est dommage là-dedans, c'est qu'on en arrive au procès. Parce que autant je continuerai à défendre les caricaturistes et la liberté de la presse, autant je peux comprendre ce que vous dites sur l'ensemble des musulmans qui ont pu être choqués par ce dessin, comme les catholiques le sont parfois par certains dessins sur le pape et autres, parce que ça existe aussi, des catholiques choqués. Et autant je vous comprends, parce que c'est vrai aussi. Admettons-le, que si ce dessin avait par exemple été publié dans un journal comme Minute, par exemple, ou un journal du Front National, on aurait dit « Ah, voilà un dessin qui attaque l'ensemble de la communauté musulmane ». C'est tout le danger, évidemment, et le fil du rasoir sur lequel on est avec ce genre de dessin. Je regrette simplement que vous soyez allé jusqu'au procès, parce que je trouve que ça finit par vous nuire à vous aussi. Écoutez, je défends la liberté de la presse, je vous dis, écoutez, moi j'ai reçu des lettres de menaces de mort du GIA. J'ai reçu des lettres d'insultes parce qu'en tant que représentant de la communauté musulmane, en tant qu'homme pratiquant, je suis marié avec une catholique, on m'a reproché ça parce qu'on me dit comment vous représentez l'islam et votre femme est une mécréante. Donc il y a l'intolérance, je la combats, mais quand je me sens insulté, j'ai le droit de me défendre comme tout citoyen. Je vous dis, les indigènes de la République, c'est fini. Mais c'est les conséquences qui sont embarrassantes. Les conséquences, moi je suis prêt à manger avec lui demain, il y a lui serrer la main, il y a bavarder avec lui. C'est ce qu'il faudrait. Bon, et ben, mais chacun, il faut que chacun mette du sien. Il n'y a pas que nous qu'on doit uniquement toujours baisser la tête et dire monsieur, on reçoit les couilles, on parle pas. Est-ce que je viens de dire le contraire? Non, pas vous, mais si ce monsieur veut venir, il n'y a pas de problème. Sophie? Non, moi je suis contre l'histoire de Sarkozy, de quoi il se mêle, pourquoi il a écrit cette lettre. Enfin, il a d'autres choses à faire en ce moment, c'est bloqué, il y a le scooter qui a été volé et tout ça, il y a des bricoles. Donc Sarkozy, il est en trop. En revanche, je suis contre, évidemment, ce procès. Et je trouve que vous n'avez fait qu'attiser la chose alors que c'était anecdotique et que la France est le pays des libertés. Et ça, il ne faut pas y toucher. Quand vous êtes attaqué au Danemark et vous avez voulu boycotter les produits danois, bon, à part deux ou trois yaourts, il n'y avait pas grand-chose à grignoter. Nous, on n'a rien voulu boycotter, nous. Non, pas vous. Nous, on n'a rien voulu boycotter. Non, bien sûr, monsieur, je ne fais pas l'amalgame, bien évidemment. Mais quand on a voulu, je disais que c'était ridicule. Bon, ici, si vous boycottez, vous n'allez plus avoir d'Arissa parce que. Madame, on a une histoire commune, tous les deux. Ah oui? Oui, on a une histoire commune. Vous êtes Doran? Non, je ne suis pas Doran. Ah, je vais vous dire une chose. Vous êtes d'où? Attends, je suis d'une ZAP. Ah, ça ne m'étonne pas. Alors, attendez, je vais vous dire une chose. L'année dernière, je suis allé avec le maire de Nîmes, avec le député de Nîmes, et avec des élus, il y avait 400 pieds-noirs à Oran. Pour un, aider à construire les cimetières français en Algérie, nous sommes allés à Santa Cruz faire une prière. Mon Dieu, là-haut. Eh oui, madame, eh oui. Donc, je suis très proche. Le premier voyage des peignoirs en Algérie sur base, c'est moi qui l'ai fait avec Dominique Boudis, à titre humain, parce que je veux qu'on vive ensemble. Et quand vous parlez, madame, de liberté, nous avons nos parents qui sont morts en 39-45 pour défendre le drapeau français contre le nazisme et le fascisme, parce que nous avons un passé commun. Absolument. Les Espagnols aussi. Quand ils vont construire des hôtels de luxe, vous m'avez retiré, j'y retournerai. Jérémy? Alors, moi, c'est assez compliqué, en fait, quand même, la problématique de ce procès. Moi, je suis un garçon qui suis athée. Je ne suis pas croyant en plus de ça, mais bien entendu, heureusement, je suis athée, non-croyant, et j'essaye de comprendre quand même la portée blasphématoire de ces dessins, qui en plus de ça ne sont pas forcément très rigolos, et j'essaye de comprendre de quelle manière ça peut vous toucher. J'essaye vraiment de me mettre dans votre... Ce n'est pas le blasphème, on ne veut pas rééditer un droit contre ou des peines contre le blasphème. Je m'en fous du blasphème. Ah bon? Ah oui, ce n'est pas un blasphème pour moi. L'amalgame islam-terrorisme, monsieur. L'insulte que nous sommes des cons. Le fait de dire que ça n'existe pas dans le Coran... que quand un gars qui commet un acte terroriste, qu'on lui donne 60 vierges. D'abord qu'il commence par une, par deux, et après on verra si la vie est 60. Je ne pensais pas que le paradis est devenu un bordel. Voilà. Mais, en tout cas, vous êtes très courageux dans vos propos, il faut le dire, pour le coup. Oui, Valérie. Oui, mais monsieur, vous ne pensiez pas que le paradis était un bordel. Mais pour certaines personnes, le paradis, c'est un bordel. Ils ont envie que ça soit leur paradis, le bordel. Madame, une fois qu'ils sortent sur une bombe, qu'ils commettent un acte de terrorisme, excusez-moi, ils n'ont plus de couilles. Qu'est-ce qu'ils vont faire au paradis? Jérémy Michalak. Ceci étant dit, moi je trouve quand même qu'il y a quelque chose de bien et de positif dans ce procès, c'est que je trouve que c'est une vraie défense de la laïcité, du simple fait, et je vais me permettre de paraphraser Philippe Val pour dire ça, c'est que, très simplement, le périmètre de la liberté d'expression dans notre pays, dans le pays républicain qu'est la France, il doit être délimité par les lois, et pas par une église, par une synagogue ou par une mosquée. Et je pense que c'est une vraie défense de la laïcité que d'avoir fait un procès quand même. La laïcité, c'est pas seulement ça. La laïcité, c'est de protéger les religions. Voilà. La laïcité, c'est justement de dire il n'y a pas une seule religion, mais toutes les religions. Voire même donc, on doit les protéger et les respecter. Il y a un argument que vous n'avez pas eu et que je vais vous donner. Allez-y. C'est qu'il y a... On peut rire de tout, on peut blasphémer sur tout, mais je crois que là, en publiant ce dessin, ils ont fait des claquettes sur un terrain miné. C'est-à-dire qu'il y a des communautés,
la communauté musulmane, la communauté israélite, sont deux communautés qui ont subi trop de racisme, trop d'ostracisme, et qu'avec cela, il faut prendre certaines précautions. C'est horrible à dire, parce que pourquoi pas la communauté catholique ? Parce que la communauté catholique est majoritaire. Elle est forte, elle a eu des rois. Tandis que ces deux autres communautés, évidemment, sont un peu plus, comment dire, névralgiques et un peu plus sensibles. Et je crois que moi, je défends à mort Charlie Hebdo, mais je n'aurais pas publié les dessins. Merci, monsieur Abdallah Bakri. J'espère que cette poignée de main, vous l'aurez bientôt aussi avec Philippe Val de Charlie Hebdo. Merci beaucoup. Dans les années 80, il y a eu Philippe Bouvard et son petit théâtre. Dans les années 80-90, il y a eu Fabrice et sa fameuse classe. Et dans les années 2000, c'est l'humoriste préféré des Français, Jamel Debbouze, qui est devenu le recruteur officiel des nouveaux talents de l'humour avec son Jamel Comedy Club. Après avoir cartonné au théâtre de 10 heures, les futurs stars du stand-up sont actuellement au Casino de Paris pour encore quelques jours. Jérémy Michalak est allé hier soir. Je crois que vous êtes beaucoup amusé. Vous allez nous en parler. Ils vont partir en tournée dans toute la France dès le mois prochain. Alors accueillons tout de suite celui qui joue le rôle de Monsieur Loyal dans ce spectacle, le Jamel Comedy Club. Voici Jamel Debbouze. Salut. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Bonjour. Salut. Ah, dis donc, ça. Ça monte, hein, parce que je me souviens que vous avez reçu à l'époque du théâtre de 10 heures, et vous voilà déjà. Alors vous, ça, on imaginait bien, vous pouvez même remplir Bercy, vous, mais vos petits jeunes, là, parce que c'est des petits jeunes pour moi déjà, vos petits jeunes, là, ils sont déjà alors, au Casino de Paris maintenant. Je suis comme vous, je suis très surpris. Ça veut dire que vous êtes un bon parrain ? Ça veut dire que c'est des bons comédiens. Vous êtes content d'eux ? Ah ouais, vraiment. Est-ce que c'est dur à gérer une équipe comme ça ? C'est quoi votre rôle exactement ? Je suis dompteur dans l'histoire, j'ai un fouet. Comme toi. Voilà, exactement. J'en mets des coups de fouet et puis il me balance des vannes. Pas assez, on leur en met pas assez. Non. Alors ça, c'est bien vrai. Il y a un DVD déjà aussi, hein, de la première saison du Jamel Comedy Club, parce qu'on peut, même si c'est sur une chaîne concurrente, rappeler que le début de cette aventure, c'est sur Canal+, que ça s'est effectué. Ouais. Il y aura une deuxième saison. Mais c'est les premiers qui nous ont fait confiance, et excusez-moi. Je vous en prie. Pour votre chaîne. Mais c'est vrai que Canal+, c'est quand même une chaîne qui fait confiance aux gens qui ne connaissent pas. C'est assez rare. Mais ça existe aussi de temps en temps sur d'autres chaînes. Oui, mais ça s'est plus vérifié sur Canal. Mais ils ont été les premiers à le faire. Ouais. Voilà. Et j'ai du respect pour toutes les autres chaînes, c'est pas le problème, mais c'est vrai que... Il y a intérêt parce que... Jérémy, vous y êtes allé au Casino de Paris hier soir. Ouais, moi j'y suis allé hier soir, c'est le truc à pas manquer, quoi. C'est le spectacle, ça va passer dans votre ville et même à Paris, c'est le truc à voir. Ça dure 2h30 entre la première partie qui est faite par Patson, les 10 comédiens qui se succèdent sur scène, plus les sketchs et les intermèdes de Jamel. 2h30, vous êtes pliés du début à la fin. C'est-à-dire que ce matin, je me suis réveillé, j'avais des crampes aux abdos, et pourtant j'ai des abdos de ouf, j'ai des abdos super balèzes. J'étais, non mais vraiment, on est plié du début à la fin. Ah, c'est vachement bien. La salle est. Il y a un journaliste dans Libération qui dit un truc drôle ce matin, qui dit c'est marrant, pour une fois au théâtre, il y a des Noirs et des Arabes sur la scène, mais il y en a aussi dans la salle. Et c'est vrai, quand on va souvent au théâtre, et ben les gens qui sont dans la salle, c'est pas aussi métissé que ça. Non, c'est sûr. Et ça met une ambiance de dingue. Et c'est vachement rigolo parce qu'en fait, tout le monde s'en prend plein la gueule. C'est-à-dire que les Arabes se moquent des Noirs, les Noirs se moquent des Blancs, les Blancs se moquent des Juifs, les Juifs se moquent des filles, les filles se moquent des rappeurs, les rappeurs se moquent des moches. Bref, tout le monde se fait cartonner. Et surtout, ils se moquent d'eux-mêmes. Ils se moquent en plus d'eux-mêmes. Ce qui fait qu'il y a une sorte de grande entente cordiale entre tous les gens qui sont dans cette salle. C'est absolument génial. Au mois de mars, ils sont tournés à travers la France et même la Suisse, à Cran. Le 7 mars, c'est là où ça démarre. Le 9 mars, à Strasbourg. Je ne vais pas donner toutes les villes, mais très vite, Grenoble, Lyon, Dijon, Montpellier, Clermont-Ferrand, Tours et le festival Juste pour rire à Nantes. J'imagine c'est le 31 mars. Voilà pour la tournée du Jamel Comedy Club. Vous nous les avez amenés, vos petits. Vous laissez la liste parce que je ne savais pas que j'avais tout ça. Il y a des villes sympas quand même, hein, il faut dire. Déjà en Suisse. Oui. On a tous en nous quelque chose de l'Helvétie. Ils sont là, vos poulains? Ouais. Alors, on appelle le premier, ouais. Waïb Bouzidi. Waïb. Alors. Waïb. Bonsoir. Il a une spécialité, Waïb. Waïb, il a un cœur aussi gros que lui. D'abord, ça c'est important. Et puis il a un talent incroyable. Mais c'est très compliqué comme ça en 2 secondes de vous expliquer. Mais vous les présentez sur scène à chaque fois, vos camarades, j'imagine. Ouais. Mais tiens, tu peux nous parler de toi 2 secondes, ouais, en quelques mots.
2 secondes, c'est pas assez. 2 secondes. Mais qu'est-ce que tu peux dire Je m'appelle Wahid, dit le wagon. Parce que je transporte énormément d'amour, en fait, c'est pour ça. Alors qu'est-ce qu'il dit par exemple? Mais surtout quand il était plus jeune à l'école avec les filles, ça se passait pas super, c'était plus le bon copain, quoi. Non, exactement, c'était le meilleur pote, j'étais le meilleur ami de tout le monde. Sauf que quand je devais passer à. Là, quand je disais à une fille qu'elle m'intéressait, elle me disait non, c'est pas possible. J'ai pas envie que notre amitié soit gâchée. Mais gâchons. Il vient du 93, il a commencé comme tout le monde dans un commissariat de police. Et puis là, aujourd'hui, le Casino de Paris, je suis très fier, moi, de Wahib. Très fier. Est-ce que chaque, je veux dire les rois du stand-up, chacun de vos poulains écrit lui-même ses textes ou est-ce qu'ils écrivent collectivement? Comment ça se passe? C'est les deux. Enfin, vraiment, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la dynamique. Quand j'ai commencé au Trévise, quand je faisais les cafés théâtres à l'époque, j'ai croisé dans les coulisses Gad, Eric et Ramzy. Il y a un truc incroyable qui se passe dans une coulisse. On est tous des compétiteurs, on est là, on refait notre parcours, comme ça, comme les skieurs. Et de voir que j'étais pas le seul à être fou, ça m'a fait plaisir. On en appelle un autre, Thomas Njijol. Thomas Njijol. Alors lui, on le connaît un peu plus. Bonsoir. Ça va? On le connaît un peu plus parce qu'il est à peu près à la même heure que nous sur l'autre chaîne, justement. On le sait, comme Mustapha, d'ailleurs, un ami de Doc Gynéco. Hein, c'est bien. On va passer nos vacances ensemble, effectivement. Il a fait aussi un peu la gueule aussi sur votre plateau, alors? Très honnêtement, non. Ça s'est très bien passé avec Bruno. Moi, je l'appelle Bruno. Et non, c'était très sympathique. Doc Gynéco, Bruno. Ah, voilà. Oui. Voilà. Non, c'était sympa. J'ai vu qu'avec Mustapha, c'était plus rock'n'roll, mais c'est cool. M'énerve Doc Gynéco depuis longtemps, de toute façon. Il est fou. Il se prend pour Serge Gainsbourg et il est juste bourré. Voilà, et Thomas Njijol, qu'est-ce qu'il dit alors sur scène? Ah non, mais avec Gynéco, ça s'est bien passé, mais en revanche, il y a eu une mésaventure avec un cousin blédard lors d'un voyage en Afrique qui vous a rejoint en France. C'est ça? T'es au courant. J'en ai entendu parler, ouais. Crame pas les dossiers, cousin, ils ont pas tous leurs papiers. Hein. Non, c'était parce que ouais, j'ai un cousin qui est venu en France à mon insu, tu vois. Mais bon, j'aurais dû m'en douter, j'avais 72 kilos d'excédent bagages à l'aéroport. J'ai pas voulu y croire, mais c'était réfugié, quoi. Tu peux leur raconter ce que t'as vu au Cameroun, là, à la télévision? Ah ouais, bon, parce qu'on s'adapte, en fait, au Cameroun, on s'adapte un peu à l'Europe, tout ça. Et j'ai vu qu'ils avaient fait la série à la mode, ils avaient adapté la série Prison Break. Je sais pas si vous connaissez la série où le mec va sauver son frère en mettant son plan de prison, tout ça, sur son corps. C'est tatoué, le plan de prison, ils ont fait la même chose au Cameroun. Il y a un mec qui s'est tatoué la prison sur son corps pour aller sauver son frère. Sauf que lui, quand il est arrivé dans la cellule, son frère lui a dit « Mais tu es trop noir, quoi !» Ils sont restés les deux en tolavie, quoi. Dedo, on l'appelle. Allez, le prince des ténèbres. Dedo. Bonsoir. Ah, lui, c'est un sataniste. Non. Si, c'est un... Non, si, Jamel, si, tu si, on peut dire ça non, comme ça. Non, un sataniste. Jamel, je suis pas sataniste, je suis cronenbourgiste. On en a déjà parlé. Oui, c'est pareil. Arrêtez de rebondir. C'est le fils spirituel de Lucifer et de Francis Lalanne. en quelques mots. C'est bien, on vanne sur le physique, en attendant, t'es quand même la seule personne que je connaisse qui a gardé ses jambes de lait. Hein. Tu vois, là, tu chies là où tu manges, par exemple. J'assume tout à fait ma position. Ouais, bon, on en reparlera tout à l'heure. Il parle de quoi, lui, alors, au Casino de Paris? Ah bah lui, il est un peu égaré par rapport à la troupe et à toutes les autres personnes qui sont sur scène. Et pourtant, sa vie a changé depuis qu'il a fait le Jamel Comedy Club, notamment quand il se balade un peu en banlieue. C'est vrai. C'est vrai que j'habite dans le 93 et que tout petit, déjà, il y a eu des trucs compliqués. Quand l'institutrice venait me voir, elle me disait souvent « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Et je répondais « Être en vie. » Son objectif, c'était de rester en vie dans 93. Tout simplement. Et puis surtout, il y a des Kaira des Rakaï qui venaient te parler de temps en temps. Bien sûr, mais ça a changé depuis, là. Parce que depuis mon passage dans le Jamel Comedy Club, il y a des Kaira, justement, qui sont venus et qui m'ont fait « Hey, sérieux, cousin, tu m'as trop fait marrer, fils de pute !» Alors qu'avant, ils me faisaient juste « Fils de pute !» On appelle Amel. Faire un bisou. Oh, d'accord. Je vous adore. Je suis désolée. Mais qu'est-ce qui se passe? J'adore. Il y a une femme, elle embrasse Benny.
chou. Bah voilà. Dis donc, je vous félicite pas, mademoiselle. J'assume totalement. Je suis fan. Qui est fan. Oh, elle est canon en plus. Merci beaucoup. Oui, pourquoi en plus? D'abord, ça a été facile pour Jamel, en fait. Il était dans ce banlieue, il a pris des sosies de lui. Parce que c'est extraordinaire qu'il ait pris des gens qui lui ressemblent si peu et qui ont le même humour. Ah c'est ouais. Ça qui est extraordinaire. Oh oui, non, mais oui, mais ils ont un dénominateur commun, c'est qu'ils ont, tous du talent. Alors qu'on m'a souvent saoulé avec cette histoire de communautarisme. Il faut venir voir le spectacle, ça n'existe pas, le communautarisme, chez nous. Un mot sur Amel, alors? C'est la touche charme du Jamel Comedy Club. Je ne peux pas vous dire mieux. Il y a Blanche aussi. Oui, mais elle, c'est la touche charme. Blanche, c'est la fraîcheur. Enfin, j'en doute des qualificatifs. Blanche, elle t'a dit un truc hier qui m'a fait hurler de rire. Elle a dit, en fait, toi, Jamel, t'es petit, t'es marron et tu fais rire. T'es une boulette de shit. Et Amel, alors? Amel, comme c'est avec Blanche l'atout féminin, l'atout charme du Jamel Comedy Club, elle parle de trucs de filles et notamment des Barbies. Exactement. Les Barbies, c'est des putes. Voilà. Pourquoi? Non, parce que en fait, on nous met dans la tête. Je parle du charme et du glamour. Et je dis que depuis qu'on est gamine, on nous met dans la tête qu'il faut ressembler à Barbie, quoi, et que c'est pas possible. Voilà, c'est impossible. C'est vrai. Voilà. Pourtant, Valérie, vous approchez Barbie, vous, un peu quand même. Une vieille Barbie, alors, dites donc. Hein. Parce que justement. Oh. Regardez, hein. Non, mais en les voyant, je pensais à ça. Tu dis pas madame, s'il te plaît. Vous avez tous fantasmé. Bien sûr. On a grandi avec ces films. Justement, ils ont fantasmé sur moi. Ils avaient 5 ans et demi. Tu vois. Alors, non, c'est ce que je me disais en les voyant. Dans les années 70, il y avait Romain Bouteille et Coluche qui nous ont entraînés dans leur sillage. Et maintenant, c'est Jamel qui les entraîne dans leur sillage. Ça me rajeunit pas. Allez, un dernier de la bande. Paxson. Mais lui, il est incroyable. Lui, je te jure que Didier Drogba, quand il marque un but... Ah, voilà. C'est fort, hein. Voilà, c'est ça. C'est trop doux. Attends, salut, tonton. Bonjour. Ça me touche beaucoup au cœur. Si les téléspectateurs pouvaient voir ce qui va se passer après l'émission. Ah, bonjour, tout le monde. Alors, Paxson. Il fait un truc dingue, mais c'est pour vous, c'est cadeau, il va vous le faire. Ah, j'ai des jambes. Ça... J'ai des jambes, yes, papa, cadeau. C'est trop doux. Non, mais tu sais ce truc-là. Ouais. Je te jure que c'est un truc qui est repris par Djibril Cissé quand il met un but, Didier Drogba quand il met un but. C'est ce qu'il fait. C'est devenu c'est une institution, son yes, papa. Il y a le PSG qui m'a demandé. Bon, j'ai... Mais dis, on peut faire ça. J'ai dit, bon, marquez déjà, après on va voir. Cadeau. Montez-le. On fait comme ça. Bon, il y a mon patron qui est là. Tu vas à gauche, tu reviens, tu tapes là, tu donnes ça, cadeau. Puis tout le monde se lève. Génial. Voilà. Yes, papa. Yes, papa, je le jambes. Beau gosse. Voilà, la première fois comme toi, j'ai pas compris. C'est juste que... pas compréhensible, le phénomène Paxson. J'arrive pas à comprendre. Déjà, je comprends pas ce qu'il dit quand il parle. Je comprends pas ce qu'il dit. C'est ça, le phénomène, c'est ça. Les mystères, on n'explique pas les mystères. Mais il est incroyable, mais vrai. Ils sont en tout cas jusqu'au 23 février prochain au Casino de Paris. Et après, en tournée à travers la France, j'ai donné les quelques villes. Juste un dernier mot. Il est comment le patron? Alors, on commence peut-être par Waïb. Alors, il est comment le patron? Balance. Il est gentil, il nous ramène tout le temps à manger, tout ça. Thomas, il gigeonne. Il est extra, moi j'ai beaucoup de respect depuis longtemps et en plus quand je l'ai vu avoir sa palme d'interprétation là, à Cannes, là, j'étais comme un fou, j'étais content pour lui. Puis c'était son premier diplôme, hein, faut pas oublier. Pour un indigène. Pour un indigène. Le patron, bah, il est petit. Amel. Il est très généreux. Très généreux. Très généreux. Qu'est-ce que tu veux dire par très généreux, Amel? Il nous donne beaucoup de conseils, il nous fait gagner un temps monstrueux, vraiment. Je les caresse. C'est vrai. Paxson. Moi, il est un peu fâché contre moi parce qu'ils sont allés en Belgique en tournée. Je voulais pas y aller. J'ai dit, ben, Jamel, excuse-moi, j'ai eu du mal à rentrer en France, j'ai pas envie de sortir de la France. J'ai pas mon papier. Ben, vous irez en Suisse. Ouais.
Suisse, ce sera la première date de tournée à Crans. Jérémy n'avait qu'un mot hier en revenant du casino de Paris. Il m'a dit ça déchire grave ça, race, voilà, ouais, parce qu'il parle Jones. Lui aussi, le Jamel Comedy Club, ça existe en DVD. C'est ouais. au casino jusqu'au 23 février et en tournée à travers la France. Merci à tous les Suisses. Merci à vous. Au revoir. Allez, on va terminer ensemble pour le qui a vu quoi. On regarde très vite le classement de notre jeu. Isabelle Motreau est toujours en tête avec 46 500 points. Ce sont les filles hein, les plus fortes sur le plateau. Regardez ça, rien que des filles dans le bas du classement. Bon, mon pauvre Roger, lanterne rouge, évidemment. Michalak, faut vous réveiller. Pierre, dans la moyenne, on va dire. Comment Pierre. Mais enfin, messieurs, montrez que vous avez aussi un peu de culture, que vous lisez les journaux. Ah, j'ai cru qu'ils voulaient qu'on montre qu'on avait des... Première photo. Alors. Ah, c'est le... Je sais. Ah, je sais. Ah, je savais non, c'est le patron de la Banque mondiale dont on a vu les chaussettes trouées lors d'un voyage à l'étranger. Excellente le réponse, je vous accorde 100 points, ça vaut bien 100 points. Monsieur Paul Wolfowitz. Photo suivante. Ah, c'est plus compliqué, ça vaut bien 1000 points. José Bové. C'est le fils de José Bové. Non, ce n'est pas José. C'est François Bayrou. 1000 points pour Michalak, décidément trop fort. Photo d'après. Ah, non. C'est Diane Kruger. Diane Kruger, pourquoi elle? Eh ben, parce si vous que... me dites pourquoi, ça vous fait 1000 points. Parce qu'elle a reçu un prix. Eh ben, non. Elle va représenter une nouvelle marque. Non plus. Elle s'est fait refaire les seins, ça a marché. Non. Non, c'est le fiancé de Paul Vermus. Non. Elle a fait quelque chose de professionnel. Elle va faire quelque chose. On vient de nous annoncer que c'est elle qui avait été choisie. Pourquoi? Pour un rôle de le nouveau Marianne. Pour être Marianne. Non. Pour être là. Le jour où Marianne sera allemande, ça va faire un choc à beaucoup de Français quand même. Elle va prêter ses seins pour une marque de soutien-gorge. Non, mais c'est lié au cinéma, évidemment. C'est lié au cinéma. Elle va présidente le festival de Cannes. Alors, pas présidente du jury à Cannes. Présenter le festival de Cannes. Présenter la cérémonie à Cannes. 1000 points pour Sophie Garel. Photo suivante. C'est compliqué aussi. Qui est sur ce cheval? Allez, 5000 points si vous me dites qui c'est. Je ne pose aucune question pour faire avancer. C'est le président de la Banque mondiale. Non. Parce qu'il avait de vieilles chaussettes qu'il a mis dans son cheval. Non, c'est un comédien, c'est un artiste? Un artiste, comédien, on peut pas dire ça. Homme de télévision. Homme de télévision. Courbet. Julien Courbet, excellente réponse de Roger Zabeille. 5000 points. Je sais qu'il montait à cheval. Dernière photo pour ce soir. Il manque quoi sur cette photo où on aperçoit et on reconnaît Gérard Klein? Il manque Jamel. Jamel Debbouze. Non, on a effacé, pour vous dire. On a effacé. Entre l'homme en bleu et le chameau. Entre la tête du chameau et le Touareg. Voilà. Alors, c'est une personnalité française qui était là? C'était un enfant. Mimi Mathieu. Oui, vu l'espace, c'est Mimi Mathieu. Ben oui, il y a un petit espoir. C'est pas quelqu'un qui manque. C'est pas quelqu'un qu'on a effacé. C'est quelque chose. Quelque chose. C'est la chose de télé. Une valise. Non. Une télévision. Non. C'est pas la télévision, mais il y a un loin. J'essaie de vous mettre sur une piste. Une antenne. Une parabole. Taisez-vous. Une antenne de télévision. Pas tout à fait. Le truc plus important que ça. Un satellite. La Tour Eiffel. Excellente réponse de Jérémy Michalak. La Tour Eiffel. Puisque Gérard Klein parraine l'association La Caravane du Cœur de Moussa Assari, d'un convoi humanitaire qui est parti de la Tour Eiffel. Donc on voit le convoi partir de la place, soit du Trocadéro ou du Champ de Mars, je ne sais pas où la photo a été prise, mais en tout cas, on voit la Tour Eiffel derrière. Nous, on l'avait effacée parce que vous pouviez difficilement imaginer qu'on voyait la Tour Eiffel derrière cette photo, mais cette photo a été prise à Paris au départ de ce convoi humanitaire. 5000 points pour Jérémy Michalak. Demain soir, vers 19h, vous retrouvez Christine Bravo. Avec quel invité demain, Christine? Ah, ça c'est une bonne question. Pierre Palmade. C'est bien de vous en souvenir. Pierre Palmade et Ariel Dombal. Et Ariel Dombal nu. Et Michael Jackson. Ouais, bien sûr. Quant à moi, je vous retrouverai vers 23h15 à peu près avec Marianne James, Philippe Candeloro, Nelson Montfort, Christophe Ondelat et beaucoup d'autres. Mio Sec, Catherine Ney pour son livre sur Sarkozy. Ce sera demain soir, on n'est pas couché. Bye bye, bon week-end.